Jeudi 7 avril au Feeling. Venez vivre la grande cérémonie du micro d'or avec Magali Vaé, chanteuse et actrice, Diane, chanteuse, et Amy, prof de chant. La cérémonie du micro d'or avec Spider Pod, restaurant Le Petit Patrimoine, BM Photographie et Amy Duo. Plus d'infos sur lefeelingkaraoke.fr. Bien, rebonsoir du côté de Twitch. Vous nous suivez depuis 18h. Il vous reste quelques moments à passer avec nous puisque ça finira à 21h. Donc j'aimerais rappeler nos partenaires, s'il vous plaît, et j'aimerais qu'on les applaudisse à chaque fois. Les partenaires, c'est l'animateur DJ Spider Prod qui a fait les lumières et la sono ici, s'il vous plaît. Merci. Le restaurant Le Petit Patrimoine qui nous accueillera dans quelques minutes. Le Petit Patrimoine, des petits applauses. Le photographe PM Photographie qui est dans la salle un petit peu partout, il est là. Voilà, on le voit pas mais on le suit à son flash régulièrement. Il nous flash. Amy Duo qui fait aussi partie du jury prof de chant à Tours. On peut l'applaudir. C'est écrit derrière nos jurés. Mouette et Chandon participent à cette soirée. Et puis Duke, la boisson énergétique qui va être distribuée tout à l'heure puisque tout ça, ça doit disparaître. Donc tout le monde va repartir avec du Duke. Voilà, tout le monde va bien. C'est le moment délicat de la soirée car sur 10, il n'en restera que 5. Je vais demander à Maître Founias. Ah oui, il chante d'abord. Oui, c'est vrai. Merci Stéphane. Donc Maître Founias, attendez quelques instants. Donc on applaudit Tiad, s'il vous plaît, qui va chanter maintenant. Et on fera les 5 tout à l'heure. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course. Et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place. Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un gorilla, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau. Pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir. Trouver au creux de ma mémoire des voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs des tableaux que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place. Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi. Je voudrais rêver avec toi. Toujours chercher l'inaccessible. Toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune. Et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père.
soir et à mon père, Thiad, membre du jury. Tu voulais rajouter un petit mot ? Alors oui, je voudrais dire une petite chose par rapport aux personnes qui ce soir ne vont pas être sélectionnées. Je vais juste vous raconter une anecdote, ça va prendre 30 secondes. Trop tard. Merci. Non. Voilà, en fait, je vous explique. Moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire aussi des concours de chant, j'étais dans la région Tourangelle. J'étais un peu le petit chanteur qui chantait super bien à Tours et tout. Donc du coup, je me suis dit, oh, bah, je vais monter à Paris, un petit peu sûr de moi, on va dire. Et je me suis inscrit à un concours parisien. Et puis, on était 25 sur ce concours. J'arrive à ce concours, j'avais choisi une chanson de Lara Fabian qui s'appelle Adagio. J'arrive très sûr de moi, je chante ma chanson. Et les résultats tombent. Et sur 25, j'arrive 25e. C'est-à-dire, j'arrive dernier de ce concours de chant. Et là, j'ai eu trois propositions qui se sont présentées à moi. La première, c'était, de toute façon, les membres du jury, c'est des cons. Ils savent pas à côté de quoi ils passent. Voilà. Ça, c'était la première proposition. La deuxième proposition que j'ai eue, c'était, bon, bah, c'est pas pour moi. C'est pas fait pour moi, ce métier. Je vais faire autre chose. Je vais changer de voix. Mais j'avais cette espèce de truc-là qui me disait, non, non, t'aimes trop chanter. Et puis j'avais la troisième proposition qui était celle qu'il fallait choisir. C'était, bah, tu vas te donner un gros coup de pied au cul, puis tu vas aller prendre des cours de chant, tu vas aller voir des gens qui vont vraiment t'emmener dans la bonne direction pour progresser et pour pouvoir réaliser ton rêve et arriver à la première place la prochaine fois. J'ai pris la troisième solution. Et c'est, je raconte toujours cette anecdote parce que c'est toujours très, très dur. Quand on est dans un concours de chant comme ça, de se dire je ne suis pas sélectionné. C'est un moment qui n'est pas agréable à passer, qui n'est pas agréable à vivre, mais prenez-le avec sérénité et dites-vous, ben, c'est peut-être le moment de me dire je vais aller voir des professionnels et je vais aller voir des gens qui vont m'aider à aller dans la bonne direction. Voilà, c'était juste le petit message que je voulais faire passer. Merci Thiad. Non, je garde celui-là. Bien. Ben, on y est. Hein. Ah, si je me prends les pieds dans le tapis... Alors, je vais appeler Maître Founias, qui a les résultats. J'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît, Maître Founias. Qui est le représentant de Duke, c'est lui qui va vous offrir toutes ces bouteilles. Donc j'aimerais qu'on l'applaudisse encore plus fort, et qui vous a fait la petite dégustation. La petite dégustation. Oh, la musique suspense, ça sera surtout tout à l'heure pour le micro d'or, mais bon, on va quand même la mettre. Je vais appeler 5 personnes. Je vais appeler Guillaume, Mélanie, Mathieu, Guillaume, Mélanie, Mathieu. Ne regardez pas mes fiches, vous n'avez pas le droit. Mathieu, Nadège. Je vais me mettre un peu sur le côté. Et Jade. Jade. Bien. Vous êtes venu régulièrement au feeling. Vous avez gagné des bleus. Vous avez joué le jeu. Vous êtes venu ce soir et c'est du pur bonheur. Je tiens à vous dire que vous n'avez pas été retenu pour ce micro d'or. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse très, 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 très fort. Magali. Surtout, comme l'a dit Thiad, ne prenez pas ça comme un échec. Surtout. Et n'hésitez pas, on est trois. Si vous avez envie, bien sûr, c'est pas une obligation, d'avoir des petits conseils, pas forcément devant tout le monde, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Puis c'est vraiment pour vous faire avancer. T'as gagné une heure de chant, donc vous allez faire connaissance et si ça se trouve, voilà. Mais vraiment, vraiment, juste une chose, je voudrais encore, s'il vous plaît, qu'on leur fasse vraiment une ovation. Ouais. Parce que, je le répète, c'est pas facile ce qu'ils ont fait ce soir, en fait. C'est pas évident, et pour le jury et pour moi, d'annoncer ce genre de choses-là, parce que, bah ouais, mais il y a toujours... des perdants et des gagnants, et dans les cinq qui restent, il n'y en aura qu'un, bien sûr. Je vous rappelle par contre qu'après la soirée du micro d'or, celle-là, à partir de 22h, c'est les micros d'or, ça continue.
Et là, il y a plein d'autres micros d'or à gagner. Naturellement, là, il y a le magnifique trophée. OK. Mais après, c'est des jolis petits trophées comme ça qui sont sympas. Et donc, il suffit de continuer à venir et puis de venir tout à l'heure à partir de 22h. Je vous aime très fort. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé à ce concours. Et à très vite. Restez avec nous, j'espère. Ne partez pas, on a besoin d'applaudissements et de gens qui s'amusent. Donc, je compte sur vous pour ne pas partir tout de suite. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce micro d'or. Donc vous l'aurez deviné, Martial, Aurélie, Wilson, Sandrine et Nicolas sont nos finalistes, nos 5 finalistes. On va donc les découvrir, on les applaudit, ouais, ils le méritent. Mais à la fin, il n'en restera qu'un, bien sûr, et on le saura tout à l'heure. Pour l'instant, je vais appeler Aurélie. Aurélie, alors là, naturellement, chose importante. On a imposé une chanson. C'est-à-dire qu'Aurélie et les autres, que je viens de citer, ne savent pas ce qu'ils vont chanter. Par contre, c'est dans leur liste. C'est-à-dire qu'ils ont donné une liste de chansons, c'est dans leur liste, mais c'est le jury. Vas-y, si tu veux rajouter. Oui, je voudrais juste te dire un truc. Là, sur le premier passage, sur le premier passage, vous étiez un peu stressé, etc., etc. Là, vraiment, sur le deuxième passage, éclatez-vous et faites-vous plaisir un maximum. Là, ce soir, dites-vous, allez, ce soir, c'est mon moment, je suis en concert. Ouais. Allez, voilà. Il n'y a plus rien à perdre maintenant. Voilà. Pensez pas aux côtés. Vous êtes, ça y est, vous êtes dans les 5. Vous êtes dans les 5, voilà. Donc allez-y, lâchez-vous. Éclatez-vous. Surtout, éclatez-vous. Ok, Aurélie, on l'applaudit. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, ton unique compas est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Quand on n'a que l'amour. Merci. À ce soir-là, il y a. Vous voulez dire des petits mots ou pas forcément ? Hein, voilà, comme ça, ça permettra d'être plus fluide. Là, vous allez laisser vraiment le truc, le suspense, le suspense. Je vous rappelle que tout à l'heure, à la fin, toute fin, quand on aura remis le micro d'or, qu'il y aura eu les feux d'artifice et tout ça, vous restez bien. On vous donnera plein de Duke. Vous repartez avec un sac complet de Duke chez vous. Donc restez bien là. Maître Founias m'aidera à faire la distribution. Johan ? Oui. Et nous, on peut avoir ça, s'il te plaît ? Voilà. Voilà.
Tiens d'ailleurs, passez-moi donc cette belle bouteille là, pour montrer ce que les gens vont gagner, ce que le micro d'or va gagner. Oh là, vous battez pas, j'aurais préféré la prendre là. Voilà. Oui, oui. Bruno, il va faire une photo. Voilà, vous repartirez avec ceci. Tu peux éteindre les lumières, Stéphane. Voilà, ça c'est le cadeau que vous allez avoir, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres cadeaux. On peut pas tout vous dire. Siad a une surprise pour vous. Tout le monde a des trucs et des machins et des bidules. Donc voilà, ça c'est pour faire monter la pression. Tiens, voilà, on va la mettre là. Je la mets devant ma gueule. Bah du coup, on me voit plus. Ah bah voilà. Mais si, tu vois. Ah oui. Alors, bien. Wilson vient me rejoindre. On l'applaudit. Wilson, s'il vous plaît. Deuxième finaliste. L'envie d'aimer. L'amour à qui l'entend, regarde tout à qui le veut vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout. Pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin. On saura se donner, nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement court qu'une vie, tellement fragile aussi, que de courir après le temps. Ne laisse plus rien à vivre. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner. Que l'amour
qu'on saura se donner. Nous donnons envie de m'aimer. Ce sera à nous dès ce soir, à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on aura partagé. L'envie d'aimer, merci. Deuxième finaliste avec nous. Tiens, parce que t'es toujours derrière ton appareil photo, j'aimerais que tu viennes avec moi. Bruno, s'il vous plaît, on fait des applaudissements pour Bruno, le photographe. Bruno, PM Photographie, s'il vous plaît, c'est lui qui va vous faire des super souvenirs. Vous allez retrouver ça sur Internet dès la semaine prochaine. On va essayer de faire ça au plus vite, mais vous inquiétez pas. Il est là, il reste là et il passe toute la soirée avec nous. C'est du pur bonheur, on l'applaudit encore très fort. Bruno, merci. Vous retrouverez tous ses contacts, numéros de téléphone, email et autres, sur nos sites internet. Si vous avez besoin d'un photographe pour un anniversaire, un mariage, une bar mitzvah, un divorce, une naissance, poussez madame, poussez. Ah, remettez-le, j'ai loupé. Pardon. Ah oui, vous avez les petits bâtons, c'est pour me taper. Sandrine, viens me rejoindre. Sandrine, troisième finaliste. Pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste je te le laisse, ah, le reste je te le laisse, ah, le reste je te le laisse, ah, le reste, je te le laisse. Oh, je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Laisse mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Ah, 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 je ne peux pas oublier ton cul et la grande beauté perdue sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse. Le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint. Je te regarde t'en sortir à merveille, épier ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste je te le laisse,
Le reste je te le laisse. Oh, oh. 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 Je ne peux pas oublier ton cul et la beauté perdue sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste je te le laisse, mais je le retiens en laisse, le souvenir ému de ton corps nu. Le reste je te le laisse. Oh, oh. Le reste je te le laisse. Oh, oh. Je me suis accroché avec les paillettes. Merci, mademoiselle. À tout à l'heure pour le résultat final. J'aimerais vous parler maintenant du Petit Patrimoine. C'est le restaurant qui nous accueille après. On a faim. Hein. Puis là-bas, on mange bien. C'est un restaurant tourangeau avec des spécialités tourangelles. Donc en général, on mange bien. Vous voyez, c'est copieux. C'est voilà, un accueil formidable. C'est rue Colbert à Tours, le Petit Patrimoine. Donc nous accueille tout à l'heure pour dîner. Le photographe, tout le monde, on va aller tous là-bas faire la chouille. Enfin, pas longtemps, parce que c'est 21h et à 22h, il faut qu'on soit là pour les micros d'or, ça continue. Donc, je vous dis pas comment on va manger avec un lance-pierre. Donc, c'est pour ça, je viens de te pêcher. Allez, Nicolas, viens me rejoindre. Nicolas. Il a choisi « Ça pleure aussi un homme ». Et ça, c'est vrai. Un jour un homme s'est vulnérable. Ça nous ressemble infiniment. Avec le cœur, ça nous regarde. Même en ayant l'air d'un géant, on lui sourit. On le sent proche. On lui invente un peu d'espoir. Mais Superman, malgré sa force, a dans le cœur comme du brouillard. Ça pleure aussi un homme. Ça oublie sa fierté. Aussi fragile qu'un mode qu'on a laissé tomber. Qu'il soit le roi d'Europe ou le clochard du coin. Ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Pour un enfant qui vient de perdre, pour un amour qui le déchire. Un homme un jour ça devient faible, mais sans jamais oser le dire. Ça peut avoir des bleus à l'âme et les garder toute une vie. En quelques jours comme une femme, ça peut avoir les cheveux gris. Ça pleure aussi un homme
fragile qu'un homme qu'on a laissé tomber. Parfois ça nous étonne, ça nous réchauffe toujours. Dans chaque larme d'homme se cache un mot d'amour. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Ça pleure aussi un homme. Merci. Eh ben, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, hein, parce que c'est quand même important. J'aimerais pas être à leur place. Hein. Maman, il en faut qu'un. Enfin, un ou une, hein, mais voilà, il est un seul. Donc voilà. Alors, c'est Martial qui vient me rejoindre. Martial! L'homme aux 100 000 volts. Dans tout grand qui part, we sing into the wind of change. And I guess summer night, soldiers passing by, we sing into the wind of change. And did you ever feel that we could be so close, like brothers? The future's in the air, I can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. When the children of tomorrow dream away, and the wind of change. Walking down the street, and distant memories are buried in the past forever. And for love I must walk down to Gonky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of a moment on a glory night, when the children of tomorrow share the dream with you and me. Take me at the magic of a moment on a glory night, when the children of tomorrow dream away on the wind of change. The wind of change blows free
into the face of time. Like a storm wind that will ring the freedom bells from peace of mind. Learn your banner like I sing. One more guitar, one sing. Allez avec moi. Children of tomorrow shall be dream with you and me. Take me to the magic of a moment on a glory night when the children of tomorrow dream away and the wind of change. Oui. Dernier. Merci. Finaliste. Merci mon ami. Martial, Aurélie, Wilson, Sandrine, Nicolas, ce sont les finalistes de ce soir. J'aimerais qu'on les applaudisse encore une fois très très fort. J'aimerais que tu me cales la grenade avant. J'ai une surprise. Ouais ouais. Je vais chanter. Mais non, c'est des conneries. Attends. Non. Magali, s'est dit, attends, je peux plus, ils chantent tous. J'aimerais chanter. Elle est malade, je vous rappelle, hein, elle a une otite avec une machin. Et elle a dit, une petite chanson tranquille, la grenade. Et ben voici, Magali Vaé, s'il vous plaît! Tu regardes, t'as jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde. Sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal. Je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde. Sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la. Un peu plus fort quand même. Prends garde. Sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Tu t'imagines, je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. C'est
ma poitrine. Une rage sommeille que tu ne soupçonnes. Bah, tout le monde debout, prends garde. Sous mon sein la renarde. Sous mon sein la regarde. Sous mon sein la renarde. Prends garde. Sous mon sein la renarde. Sous mon sein la regarde. Sous mon sein la renarde. Magali Maes, s'il vous plaît, faites du bruit. Elle a chanté. Comment je suis heureux. Et j'en pouvais plus, j'étais sur mon siège. Bah, je comprends, hein. Quand on aime le vélo, un moment ou un autre, faut en faire. Hein. Et puis en plus, il faut le dire, ça fait quand même très longtemps, parce que voilà, avec tout ce qui se passe, malheureusement, il y a de moins en moins de soirées où on peut chanter. Et voilà, je pouvais plus. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du regarde bien. Le public quand même pour toi. T'as vu ça un peu. T'as bien fait de le faire. Hein. T'as bien fait de le faire. En plus, honnêtement, je suis pas jury, mais alors cette chanson, elle te va à la perfection. Ah ouais, là, quand tu parles des poumons et des machins, c'est, tu, voilà, c'est bien. Enfin voilà. Bah merci. Magali, s'il vous plaît. Ah, okay. C'était la petite surprise de la soirée. Voilà, ça fait la deuxième. On dit jamais 203. On verra la prochaine surprise. Et ben la prochaine surprise, elle arrive maintenant. Elle a gagné le micro d'or en 2020. J'aimerais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Elle est là, elle est avec nous. Voici Molly, s'il vous plaît. Attention les fils. Ah bon. Pendant ce temps-là, vous pouvez délibérer tranquillement. Et puis, au dos de cette fiche, vous me noterez. Non, oh non. Ah ouais, non, juste le gagnant. Il n'y a pas d'ordre. Tout le monde a gagné, mais il n'y a qu'un seul gagnant. Attention les fils, voilà. S'il vous plaît, on l'applaudit. Molly, qui a gagné le micro d'or 2020. Et elle est avec nous ce soir pour remettre le prix, entre autres, et pour être avec nous. Et c'est du pur bonheur. Et ça me fait très plaisir que tu sois là. Elle rêvait de reparticiper. J'ai dit, ma chérie, t'as gagné. C'est bon, t'as gagné. Oui, mais je veux gagner une deuxième fois. Tu veux gagner une... Eh bien, t'as gagné. Allez, elle a gagné. Bravo, on l'applaudit. Merci. Non, mais... Regard noir comme une panthère. Ok, là. Est-ce que tu peux remettre? Petit problème. Pardon. Je veux comme Lucifer, le regard noir comme une panthère. Mais si je ne me laisse pas faire, je me passerai bien de vos commentaires. J'ai pas un physique de première ligne, ni le charme envoûtant de mes lusines. J'suis pas la plus bonne de tes copines, de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? J'suis bonne en cuisine, j'fais de bonnes tartines. Et les pommes dauphines, la maison sera clean. Je sais que j'suis pas Beyoncé, mais je ferai tout pour te plaire. Moi je suis comme un diamant. Je me donne entière que s'il y a des sentiments. Moi je suis comme le soleil, le vent. Une hirondelle qui chante au printemps. Moi je suis comme un médicament. Je prescris l'amour à qui m'aime vraiment. Moi je suis comme la belle au bois dormant. Petite princesse qui attend son prince charmant. Je cherche pas que la bringuette, faut qu'il en ait aussi dans la tête. Je veux être sa belle et pas sa bête. Je veux qu'il me regarde dans les yeux. Je suis une femme et pas un jeu. Faut qu'il ait du savoir-faire. Je veux qu'il bricole. Je veux pas d'un mongol qui joue à la console, qui me prend pour une conne. C'est vrai qu'il est dur à trouver, celui qui me fera chavirer et qui aura tout pour me plaire. Moi je suis comme un diamant. Je me donne entière que s'il y a des sentiments. Moi je suis comme le soleil, le vent. Une hirondelle qui chante au printemps.
comme un médicament. Je prescris l'amour à qui m'aime vraiment. Moi je suis comme la belle au bois dormant, petite princesse qui attend son prince charmant. Moi je suis comme un diamant. Je me donne entière que s'il y a des sentiments. Moi je suis comme le soleil, le vent, une hirondelle qui chante au printemps. Moi je suis comme un médicament. Je prescris l'amour à qui m'aime vraiment. Moi je suis comme la belle au bois dormant, petite princesse qui attend son prince charmant. Merci. Pour me le donner, maître. Merci Molly. Chanson composée par Romain, voilà. Et donc c'est une première pour toi de l'avoir. C'est mon nouveau titre que je chante en première ce voilà. soir. Et donc ce soir, bah, ça a été vu sur Twitch, ça a été vu un peu partout, voilà. Et ça sera en replay. Et ce soir à minuit, il sort sur toutes les plateformes de téléchargement du coup. En plus, et voilà. Ben voilà. Donc c'est bien de le dire. Merci. Voyez, comme quoi, ça sert à quelque chose de faire le micro d'or au feeling. Elle avance, tranquillement, c'est du pur bonheur. Vous l'aviez choisi l'année dernière, cher jury. Donc, il y a 2 ans, oui. On a perdu 1 an. On a perdu un an. Bien, je vais rappeler tous les finalistes. J'ai plus mes papiers, donc vous reconnaissez. Venez, tous mes finalistes. J'ai perdu mes papiers. Allez, 1, 2, 3, il manque 4, 5, 4 et 5. Voilà. Approchez-vous un tout petit peu, mettez-vous un peu voilà, dans la lumière. Voilà. Hop, tenez-vous par le. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Parmi vous, il n'en restera qu'un. Pile poil? De quoi à gauche? Ah, viens vers moi alors, c'est ça? C'est bon, bougez plus. Non, c'est pour la télé, il y a tout ici. On est partout. J'aimerais qu'on fasse des derniers applaudissements pour nos membres du jury, s'il vous plaît. Tiad, qui a un petit mot à rajouter, puisque pour le gagnant, il va offrir un méga super cadeau. Donc écoutez bien ce que Tiad va vous offrir, enfin à l'un ou l'une d'entre vous. Alors, allô. C'est mieux quand on... Merci alors, Stéphane. Alors déjà, vraiment encore bravo, parce que là vraiment, sur votre deuxième passage, vous nous avez fait vraiment une fois de plus plaisir. C'était des très très belles interprétations. Bravo à vous tous. C'était, pour moi en tout cas, c'était vraiment un régal de vous entendre chanter. Voilà. Donc pour le gagnant ou la gagnante ce soir, je vais le prendre dans ma valise et je vais l'emmener avec moi en fait vivre une expérience studio à Paris dans un grand studio d'enregistrement qui s'appelle le studio haut de gamme. Donc vous pouvez voir. Excuse-moi, vous pouvez voir la vidéo du studio puisqu'il a filmé. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu sur notre Facebook. Vous pouvez voir la gueule du studio. Bah, c'est-à-dire que c'est un studio qui est là depuis très très longtemps. Il est à Boulogne. C'est un studio où je vais vous donner un exemple. Où, par exemple, Céline Dion a enregistré l'album 2 dessus, son premier album et son deuxième album. Elle l'a enregistré au studio qui s'appelle Studio Haut de Gamme. Avec Magali, on a travaillé aussi là-bas, bien sûr, sur nos duos. Ouais, d'abord. Et puis depuis 10 ans, bien sûr, c'est toute la troupe des Enfoirés qui passe là-bas, puisque c'est là-bas qu'ils enregistrent. Et oui, voilà, et le directeur du studio étant l'éditeur de Céline Dion, bah forcément, voilà, il y a plein de choses qui se créent. Il y a Fiori qui est passé là-bas, Johnny. Enfin bon, il y a une âme, quoi. Ça voilà, il y a une âme et surtout une bienveillance. Mm-hmm. Et vous verrez, c'est une super expérience à vivre. Et c'est effectivement voilà ce que j'offrirais au gagnant ou à la gagnante qui puisse aller enregistrer une chanson de son choix pour vivre une expérience dans un grand studio d'enregistrement parisien. Voilà. Merci Tiad, on fait du bruit, s'il vous plaît, pour Tiad. Dans les membres du jury, il y avait bien sûr Amy qu'on applaudit, Amy, prof de chant à Tours. Vous pouvez retrouver toutes ses coordonnées sur notre site internet. Si vous avez envie de prendre des cours de chant, elle se fera un plaisir. N'hésitez pas à l'appeler, voilà. Et puis, notre marraine, malade, mais qui a réussi à chanter. Et ça, mais alors, tu peux pas imaginer le bonheur que ça a été. Ah ouais, pour toi aussi, ben voilà, comme ça au moins c'est partagé. J'aimerais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Magali Vaé, s'il vous plaît.
Et puis tant qu'on est dans les applaudissements, au niveau de Twitch, j'aimerais remercier Spider Prod, Stéphane, mon technicien, qui a vraiment tout fait super bien. Les vidéos, les jeux de lumière, tout la totale. Et voilà, c'est absolument génial. Et puis après, le reste, on s'en fout, c'est le patron, c'est tout ça. Alors, il n'y a pas d'augmentation de prévu. Mais vous pouvez l'applaudir quand même, la direction du Feeling, qui nous aide à organiser tout ça. Et puis Dim Dim qui a été là avec nous, voilà. Je crois, Bruno le photographe, bien sûr, qui a pris toutes les photos. Duke qui a été avec nous, Duke qui va vous distribuer dans quelques minutes, ça fait durer le suspense, les bouteilles. Mouette et Chandon qui offre la bouteille de Mouette, de superbes bouteilles. Et puis le petit patrimoine où le ou la gagnante va venir manger avec nous. Donc voilà. Et si vous voulez venir, le restaurant est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis on se retrouve à partir de 22h pour les micros d'or, ça continue. C'est, tu t'emmerdes là ok. Allez, vas-y, fais monter le suspense. J'appelle Maître Foirefouille. Moi j'ai envie de changer. Merci Maître. Pas évident, hein. Tout le monde a la... Alors, il n'y a pas de classement de premier à deuxième à troisième, on s'en fout. Hein. Il y a un ou une gagnant, mais voilà, les autres... Mais non, les autres, c'est le bonheur, voilà. C'est, on veut pas faire un classement, on veut juste faciliter. Alors, je vais annoncer le gagnant, t'attends que les perdants aillent, qu'ils s'embrassent et tout ça. Voilà, t'attends un peu. Hein. Bien, musique suspense. Le gagnant ou la gagnante des micros d'or 2022 est et restera, je vais être sûr quand même, Martial. Reste là, bien sur la croix. Tu auras le temps de remercier tout le monde. Christophe va te remettre la bouteille. On et peut oui. Juste dire un petit mot. Ah oui, avec plaisir. Bah forcément, très grand bravo. Voilà, pour tes deux prestations. C'est, on était. Voilà, ça a été unanime, même si les notes étaient très serrées, quand même. Mais la deuxième presta ouais, était vraiment très bien. D'ailleurs, tu veux faire quoi en troisième? Mais profites-en. Les mots bleus? Ok, les et mots nous, bleus. Alors, on a un petit mot, parce qu'il y a quelqu'un voilà, qui nous a énormément touchés. Même si on ne gagne pas, on peut quand même être touché. Voilà, ouais, complètement. Par, en tout cas, alors, je ne sais pas ce qu'il en est des mimes, mais en tout cas, il y a des mois, c'est Sandrine. Ouais, c'est vrai, voilà. Sandrine, ouais. Parce que, comme l'a dit Tia tout à l'heure, tu as une sincérité, et sur les deux chansons, mais on a vu que tu t'éclatais, que tu avais t'aimais chanter. Et c'est, voilà, et je pense que bah, nous, étant chanteurs, forcément, on a juste aimé ce sourire d'être là. Et surtout, il y a un petit conseil que je veux te donner, c'est prends confiance en toi. Ouais. C'est, je pense que c'est ce qui te manque. Prends confiance en toi parce que tu peux. Moi, je voudrais juste te dire quelque chose. Encore bravo. Tu chantes très bien, donc vraiment continue. Nicolas, c'est pareil. Nicolas, bon, voilà, tu chantes depuis longtemps, je le sais, mais c'était, voilà, on a vraiment passé un bon moment. Et puis Wilson, voilà. Alors Wilson, moi, c'est autant on a eu effectivement un coup de cœur pour toi, Sandrine. Moi, Wilson, c'est, on a choisi l'envie d'aimer parce qu'on voulait te voir sur cette chanson-là, voir ce que ça donnait. J'aimerais, si t'es d'accord, je sais pas ce que t'as prévu après, mais j'aimerais bien que cette chanson-là, on la chante en duo. Parce que au micro d'or, ça continue après. Si tu restes là après, qu'on la fasse en duo. J'aimerais qu'on partage ce moment-là parce que il n'y a pas grand-chose pour que vraiment
tu ailles dans un lâchage vocal. Et je voudrais surtout te voir chanter en dehors du concours de chant, c'est-à-dire sans toute la pression du jury qui est là, etc. Parce qu'il y a vraiment un truc aussi. Voilà. Ah, bien évidemment, je suis ouvert pour chanter avec tout le monde en duo, il n'y a pas de problème après si vous voulez. Hein, voilà. Mais bon. Mais j'aimerais vraiment qu'on partage ce moment-là si tu es d'accord. Voilà, bah, je pense que je vais laisser le mot à Maître Capello. À Christophe d'abord. Eh bien écoutez, moi c'est simplement un plaisir de prendre le micro ce soir, j'ai pas l'habitude, mais simplement pour remercier tout le monde et féliciter vraiment tout le monde, ceux qui ont participé et qui ont eu tous leur chance de gagner ce soir, bravo. De participer, de faire le show, bravo. Vous êtes, en fait à ce niveau-là, moi je pense que vous êtes vraiment des professionnels. On a quand même trois jurys qui sont vraiment très durs et j'aurais pas voulu être à leur place parce que ça a été un match très difficile. Et bravo à eux, bravo, merci Magali, merci Thiad, merci Amy, et merci Johan, Stéphane et tout le monde qui ont participé. Ah oui, c'est vrai, moi et je qui suis ont là. Généré cette soirée, c'est la troisième et on présente jamais bravo le présentateur. À eux, parce que c'est beaucoup d'organisation. Merci, merci à tout le monde. Voilà, et évidemment, félicitations et un tonnerre d'applaudissements pour Martial, qui l'a bien mérité. Alors, attends. Et je lui remets... Attends. On va faire ça en feu d'artifice. D'accord, il n'y a pas de problème. Hein, donc on va voilà préparer le truc. C'est bon juste avant, je voudrais qu'on remercie surtout parce que ils ont traversé aussi une période qui a été super compliquée. Et croyez-moi, l'équipe du Feeling, c'est une vraie équipe. Ils proposent un karaoké qui est unique en région centre. Et je peux vous le dire parce que j'en connais plusieurs dans la région centre. Toute l'équipe du Feeling, que ce soit Johan, Spider, Christophe et toute l'équipe du service, de la salle, des DJ, tout ça. Faites-moi un maximum de bordel pour eux. Bon, et si on veut aller manger, Christophe, un dernier mot, après c'est fini. Un dernier mot ? Non, le dernier mot, c'est merci à tous. Voilà. Ouais, super. Je récupère ça. Attention, photographe, tu es prêt ? Attention, là, ça va partir. Les feux d'artifice, les pétarades. Merci encore à tout le jury. Et on applaudit, s'il vous plaît, très fort, le gagnant, micro d'or, Martial ! Micro d'or 2022. Micro d'or 2022. Je vous rappelle, les micros d'or, ça continue à partir de 22h. On récompensera plein d'autres personnes qui veulent un micro d'or et qui le méritent sur la fidélité, sur le choix des chansons. Il y aura la casserole d'or pour rigoler. Il y aura plein de choses. Donc restez, enfin ou plutôt allez manger et revenez nous voir à partir de 22h. Les micros d'or, ça continue. Ah oui, tu veux dire un mot ? Bah oui, c'est vrai. Tout le monde a parlé sauf lui. C'est vrai. Alors je voulais remercier toute l'équipe du Feeling, parce qu'à Tours c'est unique qu'un événement soit organisé comme ça. Franchement, on peut vraiment applaudir l'équipe. Moi, je vais revenir un peu sur mon parcours. J'ai 42 ans et c'est mon premier concours de chant que je gagne. Ça me fait un bien énorme parce que je me dis vraiment que le travail paye et que je remercie des professionnels de me faire confiance. Pour ce projet avec Thiad. Merci Magali aussi, franchement, et merci Amy, voilà. C'est un super jury, vous pouvez les applaudir bien bien fort. Et j'ai une pensée aussi pour Guillaume, que j'ai rencontré au Feeling, qui a fait deux fois les micros d'or, et avec qui on a trouvé un truc... voilà, on a trouvé vraiment une amitié, et surtout aussi Sandrine. Mais c'est ça qui est bien. Qui l'a fait il y a deux ans. Ouais, ouais. Et qui m'a encouragé à venir me présenter. Et pour ça, merci Sandrine. C'est ça le feeling. Voilà, c'est ça le feeling. Et les feelings, on se rencontre. Donc je suis vraiment, vraiment très fier du travail que j'ai accompli. Et ça, c'est une victoire pour moi, une vraie victoire.
Bravo Martial, merci. On l'applaudit. C'est fini pour ce soir, enfin pour l'instant, rendez-vous à 22h. Merci Martial. Number one. Ah oui, c'est vrai que tu fais les mots bleus, toi. Ah oui, je sais. Parce que j'ai adoré quand tu l'avais fait. Et ça, c'est pour Johan, parce qu'il a adoré. Il est 6h au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Hey, Johan, danse. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terminent quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tout, les mots bleus, tout ce qui rend les gens heureux.